Malheureusement, on est déjà mardi, mais demain soir, c'est Tisha B'Av. Et apparemment, il n'y a pas encore de changement. C'est-à-dire que les tzapot, Bezrat Hashem, qu'on n'est pas à jeûner demain soir. Et il faut tout faire pour y arriver, avec plus d'études de Torah, plus de hardout. Ce qui n'est pas évident du tout. L'El Tisha B'Av Beyomo, Yoshvim Bevet Knesset, Laaretz, Atzman Filat Mincha. כמו אבל שיושב על גבי קרקע, כל ימי חבילות ויש לה כל, לשב על גבי קרקע מרוצפת, ואין בזה משום חשש שמקובלים משלו לשב על גבי קרקע משום רוח רעה מכל מקום. אחד אפשר טוב להפסיק לבגן. On s'assoit normalement par terre. On aurait le droit de mettre un coussin עד שלושה טפחים, זאת אומרת jusqu'à à peu près 24 cm du sol sur lequel on devra s'asseoir. Les personnes âgées ou les personnes souffrant de problèmes de santé ne seront pas tenues de s'asseoir par terre. Aval, même les femmes enceintes, dans leur situation, elles ne seront pas tenues de s'asseoir par terre. Toute personne qui peut le faire et qui ne le fait pas, malheureusement, ne porte pas le deuil, parce qu'on parle vraiment d'un deuil, d'un velim. On parle comme si quelqu'un a perdu, chas v'shalom, un parent proche. Et la reine est nezalzel badavarazé, même si on a les tefilines, parce que nous mettons les tefilines le matin, comme le Rav Ovadia Yosef chez Amina Ganachon, le vrai minhag c'est de mettre les tefilines d'Avka à Shacharit et pas après. Et la reine, pas à l'après-midi, comme ça dit Rav Ovadia, qu'il faudrait changer un peu le minhag de le faire l'après-midi, que Bémet, il faudrait les mettre le matin. Afilouachi, même si ce n'est pas spécialement agréable, tu fais attention quand tu t'assois et tu prêtes avec tes tefilines le matin à la karka. À partir du moment où c'est Merutsav, c'est-à-dire qu'il y a des dalles comme aujourd'hui, il n'y a pas de problème avec roi rat, comme ceux qui marchent pieds nus. Normalement, on ne doit jamais marcher pieds nus, à cause des mauvais esprits, à même le sol, et la touma. Mais comme Israël s'appelle Eretz Akdosha, en Eretz Israël à Emet, on peut marcher tout à fait pieds nus. Pourquoi? Il n'y a pas ce problème de touma. Eretz Akodesh, bon, on a le droit de le faire. Aval, Vadaï, en ce qui concerne les chaussures, il faudra veiller à mettre des chaussures qui n'aient pas de cuir. Ninadine, le cuir ne doit pas être en dessous. Si c'est dessus, ce n'est pas tellement grave. Aval, Gvarnoagim Mizman. Am Israël a pris sur lui de mettre des chaussures sans cuir du tout. Et la reine, Bezrat Hashem Barach, Zeperu Shadava, pour lequel, Kol Echad Vechad mettra des espadrilles, mettra des chaussons, mettra des baskets, Mash et Tzachlassim. A Emet, c'est curieux que le but de mettre des chaussures qui ne soient pas en cuir, c'est que ce soit agréable. Et qu'aujourd'hui, dans l'instant T, il est tout prêt. Quand on a mal aux pieds, on ne met pas des chaussures en cuir, on met des chaussures d'accord en toile ou des baskets. Aval, la Torah ne voit pas les choses comme ça. Depuis toujours, depuis des 2000 ans, on marche avec des sandales en cuir qui représentaient la richesse, le bien-être. Et c'est dans ce sens que symboliquement, on ne mettra pas de chaussures en cuir. On monte à la Torah 3, mais on fera Bezrat Hashem l'Avtara. La question est de savoir est-ce qu'une personne qui n'a pas jeûné, qui ne peut pas jeûner, plus exactement, peut monter à la Torah, Yesh Bezé Machloket Poskim. Pourquoi? Parce que c'est Chovat Hayom. La lecture de la Torah est obligatoire. Donc elle est obligatoire pour tout le monde. Après, une personne qui ne peut pas jeûner, alors elle est quitte du jeûne. C'est pas elle ne jeûne pas parce qu'elle ne peut pas se sentir en rapport avec la perte du temps. Chas v'shalom. C'est qu'elle ne peut pas jeûner. Donc elle aussi Chayav du Sefer Torah. C'est pas parce qu'elle ne jeûne pas qu'elle ne vient pas écouter le Sefer Torah. Il y en a qui disent, dans les poskim, sont rentrés trop dans les détails, que si elle ne jeûne pas, elle ne monte pas. Il y a des poskim qui disent mazé kachour avec le jeûne. La lecture est obligatoire. Ce qui fait que si on a fait monter une personne, on ne sera pas obligé de poser la question est-ce que tu jeûnes ou pas. Ou Shadava, il est préférable de monter quelqu'un qui jeûne. Ah ben, si, dans le cas échéant, eh bien, la personne n'a pas jeûné et qu'elle est montée, ce n'est pas une erreur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de revenir dessus ou d'arranger quoi que ce soit dans ce domaine. Et encore une halakha pour finir. L'amrod, shu yoshev al karka. Mitzvah lakum lifne tamit racham, zaken, betchaber. Même si on est assis au sol, et qu'il y a un tamit racham qui rentre, ou une personne qui est âgée qui rentre dans les arba amot, dans les 2 mètres, malgré tout, on a l'obligation de se lever. Et les foum tzara agra, c'est pas facile. Bah, le salaire de cet ange-là qui se lève pour le kavod d'Avka le jour de Tchabéav, plus que les autres jours. Pourquoi? Parce que Tchabéav, c'est le jour où on s'est haï les uns les autres, on ne se respectait pas les uns les autres, on a parlé du mal des uns et des autres. Et la reine, les ratachim barach, tout ce qu'il peut faire pour montrer des signes d'empathie pour l'autre, même si on ne se dit pas bonjour à Tisha B'Av, on ne travaille pas à Tisha B'Av. Pourquoi? En siman bracha. Il n'y a pas de signe de bénédiction pour cela. Je m'étonnerai toujours et je m'épaterai toujours de voir
des frères juifs forçaient les autres à travailler à Tisha B'Av. La parnassa vient d'Hachem, et même si Tisha B'Av, ça tombe un jeudi, Tisha B'Av, c'est un jour de deuil. Consoler la Shrina, consoler les créateurs du monde, ne t'inquiète pas, ce que tu dois prendre, c'est déjà fixé à l'année. Mais en plus de ça, de forcer les autres à venir coudre des robes de mariée pendant Tisha B'Av, ou de travailler pendant Tisha B'Av, ou de prendre le téléphone et dire bonjour. Alors si tu dis, ouais, mais j'ai des factures à régler, sache une chose, ce que tu gagnes ce jour-là, pas moi, c'est pas moi qui dis ça. La nuit dit ça, la halakha dit ça, en bracha, ce que tu vas gagner ce jour-là, tu le perds. En bracha, Bet Shabbat. En siman bracha. C'est un jour, on ne dit même pas bonjour, retourner bonjour. Are, mishinichnas, av, mema'atim, bema, le massa en matan. Depuis le Rosh Chodesh av, on évite de faire des affaires. Dafka, le jour de Shabbat, tu veux faire des affaires. Adam Yechacham, donne un jour de consolation pour le Bet Amikdash et profite 364 jours pour Bezrat Hashem relever la tête dans tous tes besoins. C'est pour savoir pour lesquels Bezrat Hashem. On peut lire les Tehillim le jour de Tisha B'Av. On n'a pas l'habitude de lire les Tehillim à Tisha B'Av. C'est considéré comme une étude et un plaisir. La Chen, l'eau s'y mettait. Celui qui fait le Perek Shira, par exemple, à Tisha B'Av, pardon, toute l'année, alors ben moi c'est Tisha B'Av. Il n'y a pas de problème de lire le Perek Shira la nuit. Un Perek Shira un peu. Oui, tu rattrapes la nuit. Celui qui a son Seder du Zohar, la nuit. Sort Tisha B'Av. On fait la Birkat et les Bana tous ensemble, comme tous les ans. Après, chacun, Bezrat Hashem, va se restaurer. Et à partir de Bezrat Hashem, vendredi soir, on retourne, on peut réécouter de la musique Kol Tov Veyafeh, déjà depuis jeudi soir à Emet. Aval, on peut mettre les machines à laver, juste la viande, on évite de manger. Celui qui veut dire homme, celui qui a l'habitude de goûter des plats de Shabbat, qui est une très très grande mitzvah, il pourra le faire. Et Bezrat Hashem, à partir de dimanche, c'est pas comme, vous savez comment ça se passe aujourd'hui, depuis 2000 ans. Hein? C'est jeûne de Tammuz, Tisha B'Av, Tzimer. C'est-à-dire que dès qu'on est Tisha B'Av, on a l'impression qu'on s'est débarrassé d'une obligation. Ça y est, je t'ai donné ton sucre, ta petite caresse, maintenant je vais m'occuper de moi. Hein? Je vais à Eilat, je m'éclate avec les femmes, Chas v'Shalom. On rentre dans les Slichot. La Chen, Bezrat Hashem. Les vacances, les vraies vacances où on s'éclate de peuple d'Israël, c'est le Olam Haba. C'est pour l'éternité. Ici, tu vas en vacances. Prends un kadosh baruch hu dans tes valises avec toi. Prends, hein? Il y a un yann, oui, il y a un yann d'aller au kotel, sauf si la kavana c'est de se promener pour passer du temps. Si c'est pour y aller et dire à kadosh baruch hu, le mec qui nous manque, c'est grande chose d'aller au kotel. Le Rav Mutzafi dit qu'à cause de la nudité aujourd'hui du monde, le manque de pudeur, il faut même éviter d'y aller. Le Rav Mutzafi, parce qu'il y a tellement de femmes aujourd'hui qui malheureusement ne sont plus conscientes de la gravité d'être dénudées, que rien que pour ça, il ne faut pas aller au kotel. Okay. Personne ne va au kotel pour mater. Mais celui qui va aller au kotel pour Nenachem et à Shrina et dire à Hachem des mecs qui nous manquent, la malo. Ici, Bezrat Hachem Lineder, de 4h à 7h, il y aura un cours d'Alacha sur Ilchot Avelut pendant 3h ensemble. Si tu veux que je vous donne la santé et la force de le faire, comme l'an dernier, et on posera des questions, on pourra développer des sujets et vous verrez que ça passe très vite. Car le matin, net sa Hamas. Je crois que c'est 5h30, il me semble. 25. Okay. Il n'y a pas d'office à 7h30. Non, 7h30, on sera en train de faire les keynotes. Les keynotes sont très importantes. Alpi Alakha, il est interdit pendant les keynotes de sortir dehors. On enchaîne bientôt. Hein? Comme tous les ans, depuis toujours. C'est une réponse. Ah bah, la Alakha, il dit ici Lo itse achutsa leitnatek mina avelut. C'est-à-dire, des fois, on veut respirer un petit peu, machin. Tandis que la veloute, tu finis. On distribue après Yob. Celui qui veut aller se reposer peut se reposer. Vous savez, la nuit de Tisha B'Av, c'est déjà la moitié du jeûne. Tu te lèves le matin, tu pries tôt, tu vas être fatigué. Tu finis les keynotes, il est déjà 9h30. C'est-à-dire, tu étudies un petit peu l'Odea, Gitin, Ilchot Avelut, tout ce que tu peux étudier. Korban Metamikdash, Midrash Echa. Il y a beaucoup de choses à étudier, d'accord? Tu reviens à 4 heures. Pendant 3 heures, ton esprit l'occupe à l'étude. Tu te fais mitra arbitre, tout ça n'est sorti. Il ne faut pas faire un drame de Tisha B'Av. Je ne vois pas de personnes qui sont faibles. Les femmes enceintes, c'est très dur pour elles. On s'angoisse plus du jeûne que le jeûne peut nous angoisser. Ce qui compte à l'intérieur de notre cœur, c'est Béhémet de dire à Hachem Kama anachnu rotzim et bet hamikdash. Combien on regrette et combien on va s'améliorer et fermer notre sale bouche. Surtout au mois d'août qui arrive. Et la famille qui arrive, les disputes, et tu m'as dit, et tu m'as fait, dai, c'est zainyan. Mais qu'il a jeûné Tisha B'Av, et le lendemain recommence. Azma, c'est ça.
mot kinot, c'est l'aide du mot tikkun. À Tisha B'Av, tu fais les kinot, et après Tisha B'Av, tu fais le tikkun. Baruch Adonai l'olam hamazon. Hein? Selon le Harizal, il faut prier honnête à Tisha B'Av. C'est pour ça qu'on fait qu'un seul minyan. Et ce minyan-là, il rend service. Pourquoi? Vers 10h, tu te reposes, tu rouvres les yeux vers à peu près 2h. À 4h, tu viens au chou. À quoi le bécédé? Tu peux te reposer, tu te mets sous masgan. C'est pas interdit de rester sous masgan. Il n'y a pas besoin de se mettre entre deux kiraïm comme Rabbi Houda Bar Ilaï. Quand il y avait Tisha B'Av, il s'installait entre deux fours qui étaient allumés. Rabbi Houda Bar Ilaï. Entre deux fours qui étaient allumés. Tout Tisha B'Av s'asseyait là-bas, il pleurait. Il n'y avait pas s'asseoir sur les chaises jusqu'à Tisha B'Av. On peut s'asseoir sur les chaises. Et on peut. Hein? Celui qui veut monter au cimetière, il a échoué le millissement. On dort sur un matelas, la femme est l'indigne de Nida pendant Tisha B'Av. On ne dort pas à côté d'elle. On dort sur un matelas par terre. Jeudi, à quelle heure c'est la prière? Ça commence 5h25. 5h25. Avec les tefilines. À la maison. Non, ici. Ici. Comme dit Rav Ovadia Yosef, le Harizal, Mahu Kulav. Avec les tefilines, on fait la prière. On met les tefilines, on prie avec les tefilines ici. C'est le talit. Et synagogue. Aïkar, faites comme le Rabbi fait. Là où vous priez, le Rabbi là, vous faites. Et l'après-midi, on ne les met pas? Non, tu viens avec. La teshuva dans le cœur. C'est là. Tfilat min hamachar et sha'ahat. Min trasra à 13h. C'est là.